Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3 avec donc le Japon évidemment, mon nouveau projet qui est évidemment de rejoindre l'Europe, mais pour ça il faut que j'ai accès à la Méditerranée et c'est un peu compliqué, il faut bien l'avouer, donc je vais passer par je vais essayer de passer par le canal de Suez. Je pense qu'il va me falloir quelques renforts honnêtement, puisque le problème étant que les Anglais ont beaucoup de troupes en Afrique. Je pense qu'un corps ne suffira pas. Il va m'en falloir un autre. Alors je pense que j'ai largement de quoi fournir. Il faut juste que je fasse un effort. Je crois que je vais prendre celui-là. Là, j'ai peut-être pas refait le ravitaillement. J'ai pas besoin de le refaire, on va dire. Alors, mes transporteurs, hein. J'en ai un là, un là. Ah bah, il est déjà là, au fait. Ok, c'est bon. Donc, je vais prendre ce corps-là. Celui-là, je vais le préparer. Alors, je vais accélérer le temps. Là, j'ai un problème d'industrie. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Je vais pas régler le ravitaillement tout de suite parce que je sais que ça va se régler à la fin. Ah merde, j'ai fini par perdre, là. Bon, c'est pas grave, les renforts arrivent. C'est l'essentiel. Ce sera sans conséquence. Là, je vais essayer d'attaquer. Je sais pas ce que ça peut donner. Ouais, ça se passe bien. Là, les chiffres sont trompeurs. À mon avis, je vais... J'ai quand même de fortes chances de pouvoir passer. Non, on va aller là. Et puis, même si je passe pas, je m'y reprendrai à deux fois. Là, c'est bon. Là, je suis toujours en train de bouger. Là, je peux faire repartir mon QG dans l'autre sens. C'est même assez important pour que je puisse avoir du ravitaillement. Là, je vais les faire revenir pour pouvoir intervenir ici parce que commence à y en avoir partout, là. Alors, je crois que je vais avoir assez de garnison pour créer le corps. Ouais. Alors, je vais continuer à mettre des leaders, même si je commence légèrement à en manquer. Mais c'est pas grave, si vraiment j'ai un manque à un moment donné, je les enlèverai des garnisons et puis je les mettrai sur mes unités plus classiques. Mais pour l'instant, je vais continuer comme ça. Alors, l'armée, j'espère que c'est la troisième celle-là, ouais. Du coup, je crois que j'ai oublié de rejoindre un corps. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Troisième armée. C'est juste, c'est un peu pour vider aussi cette page-là parce que j'aime pas trop qu'elle soit... Ah, c'est chiant ça. Je suis obligé de créer un autre corps. Ok, sixième armée. Je vais me mettre sur ce groupe d'armées-là. Et du coup, ce corps-là, il va aller sur le troisième. De toute façon, j'ai pas de problème d'effectif, donc je peux bien faire ça. Pour l'instant, ce corps-là n'a pas à être lié, celui-là non plus. Ça, c'est des unités un peu isolées. Je dois en avoir une autre quelque part ici, ouais. Je vais créer un corps pour mes unités d'élite. Ici, je vais le relier au 23e corps, voilà. Qu'est-ce qu'il fout là tout seul, lui? Ouais, en fait, c'est parce que normalement, ces deux-là doivent être fusionnés, je pense. 9000, 9000, 9000, ouais, je sais pas pourquoi ils ont été divisés. Je sais pas, bon, je peux pas, je me souviens plus, honnêtement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Celle-là, elle est orpheline. Ah oui. Je vais devoir créer un corps pour elle. Et ce corps, je vais le relier à la 6ème armée. Ok, je mets pas de leader. Hein. Pour l'instant, là, en Chine, il y a quand même peu de chances que je sois attaqué. Mais étant donné que je vois débarquer une armée...
une armée anglaise ou américaine de sitôt. Là, j'avoue que j'en ai marre de courir après ce QG, mais bon, c'est un peu mon destin. Ok. Est-ce que je suis prêt à partir là? Ouais, je suis prêt à partir. J'embarque. Direction. Bah, pour l'instant, je suis obligé de m'arrêter sur ce port. Je peux pas aller directement sur celui-là, malheureusement. Et celui-là, il va repartir ici. Ce que j'espère, c'est que je vais avoir du ravitaillement. Tout d'un coup, ça m'inquiète, là. Je me demande si ça passe. Ouais, ça a l'air de passer. C'est juste que le port est tout petit. Je suis en train de l'agrandir, mais... ça risque de prendre du temps. Ouais, normalement, c'est en prioritaire. Mais là, normalement, celui-là doit... enfin, il est en construction, quoi. Il n'est pas encore tout à fait réparé. Il va se réparer un petit peu tous les jours. Faut que je surveille d'ailleurs qu'il soit pas bombardé, ceci dit. On va voir combien il gagne tous les jours. Ouais, il gagne 0,55 par jour, donc ça va prendre un peu de temps. Cette unité-là, faut que je la laisse là. Ah, vivement les renforts. Cette flotte-là, elle peut rentrer. Ouais, pour l'instant, je peux la laisser là, peu importe. Ah, mais j'ai l'air d'avoir du ravitaillement, là. Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, ça a l'air d'être bon. Du coup, il y a du chemin à parcourir. Par contre, cette attaque-là m'inquiète de plus en plus. Ils ont pas grand-chose, mais... on est vraiment sur du terrain compliqué. Sasebo, Luléa. Ah, ça, c'est les lignes de commerce. Hein. Faut peut-être que je m'en inquiète un peu. Lui, on va le poursuivre. Est-ce que ça vaut le coup de garder des lignes de commerce, genre celle-là, là? J'ai envie de l'annuler. Hein. Alors, pour l'annuler, il faudrait que je... si, normalement, je dois pouvoir l'annuler. Gestion automatique des transports. Ah oui, non. Si je peux pas l'annuler à partir d'ici, en fait. Faut que je l'annule à partir d'ici. Luléa, je pense que c'est en Suède. Donc, c'est celle-là qu'il faut que j'annule. Ouais. C'est plus prudent, après... après, le problème, c'est que... j'étais obligé de refaire des convois, c'est pénible. Hein. Ça coûte cher. Ok, donc là, je suis un peu inquiet de manquer de ravitaillement. Les réparations se font, mais tant que j'aurai pas au moins un... je crois que ce sera compliqué. Ouais, là, j'ai plus de ravitaillement. Je sens que ça va m'énerver. Là, j'y vais. Il reste ce combat-là. Ah, je devrais gagner quand même, même si ça va me coûter cher. J'ai une unité qui a même pas de ravitaillement. Là, c'est pour ça, elle se bat sans ravitaillement. C'est assez mortel. Voilà. Ah, les Italiens ont pris les choses en main, là. Ce serait bien qu'ils m'aident un peu, qu'ils fassent diversion. Ouais, je pense que je vais gagner. Celui-là, il ne reste pas grand-chose. Ah, le ravitaillement a changé. Putain, c'est... Fetbury, je sais même pas où c'est Fetbury. Il me semble que c'est loin ça. Fetbury, je sais pas pourquoi. Tout d'un coup ça vient de là. Ces changements incessants sont un peu ennuyeux, je dois dire. Heureusement, j'ai ce qu'il faut en termes de convoi. Du coup, je vais laisser l'autre parce qu'on ne sait jamais, ça va peut-être rechanger.
Là, c'est pour ça que de nouveau j'ai des problèmes de ravitaillement. Ça m'étonne pas. Bon. Là, par contre, ça a l'air de marcher. Ah, j'ai gagné. Par contre, je peux plus bouger là, plus de ravitaillement. Ah oui, c'est parce que oui, il vient de Fedbury. Tout s'est retrouvé à l'arrêt du coup. J'espère que ça va. Tiens, il y a une bataille là. Merde, ça va tellement vite. Ici. Ah, j'arrive à intercepter son navire, son bombardier stratégique qui m'a détruit toute mon infrastructure. J'espère que je vais réussir à l'affaiblir assez pour qu'il revienne pas. Oh merde, là il va me reprendre ma ville. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un tour par là. Ok. Mes navires sont toujours pas arrivés là. Non, ça circule, mais c'est long. Pour l'instant-là, mes officiers descendent toujours. Je vais mettre un peu plus de. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Oh merde, là ça commence à être chaud. J'ai pas de ravitaillement. On est rendu à combien là? 0,9. Ah là on va bientôt être passé au maximum. Je pense que ça va aider. Pour l'instant là, je ferais peut-être mieux d'arrêter la bataille, là, honnêtement. Toujours dans le rouge. Et ça consomme 3,84 par jour de ravitaillement. Je ferais peut-être mieux d'arrêter. Là, il a dû finir, ouais. Il amène 5,30 hein, seulement. Ça fait pas beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je vais envoyer mes. Ah bah non, j'ai pas de base aérienne ici. Je vais retirer mes bombardiers, je pense que ça consomme beaucoup trop pour la zone. Je vais les ramener chez moi. J'espère que ça suffira. Pour amener un peu de. Là, je vais arrêter l'attaque parce que. Oh, remarque, non, ça va, je suis encore bien. Tant que. Ouais. Je vais m'arrêter vers 40, je pense. Et là, ça va pas du tout, mais. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de solutions à ce problème. Alors, ce que j'avais prévu de faire, c'est d'embarquer ces deux-là. Et de venir aider en débarquant directement. Sur place. Cache. De toute façon, il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas de navire ennemi qui puisse venir me harceler. Là, j'ai toujours pas réussi à avancer, c'est bien. Je sais que je donne des ordres, mais c'est comme si je faisais rien en fait. C'est ça qui est bien. Là, ça m'a l'air pas mal. J'ai a priori récupéré un petit peu de ma mobilité. Là, ça va être bon. Ça c'est quoi ça? Ah oui, bon ça c'est bon. Ça c'est quoi? Ça c'est bon. Ouh, ça je me méfie. Je vais faire sortir ma flotte parce que. Je sais pas ce qui peut se passer là. Oui, il y avait du monde. Oh, c'est des petits navires. Oh oui, il n'y a que du petit navire. Ça je pense que c'est. Est-ce que j'aurais pas perdu un navire? Non, je crois que c'est ma flotte où il y a un transporteur de moins. Pas de panique. Du coup, eux, j'aimerais bien les faire patrouiller en fait. Parce que, à mon avis, il y a du. Ouais, sauf qu'ils ont pas l'air d'y arriver. J'ai toujours
toujours pas récupéré ma... Ok, là c'est parti. J'en envoyais un ici. Et l'autre, l'autre je le garde pour moi pour l'instant. Ouais, ça c'est... Bah, je l'ai éliminé d'un coup, c'est bien. Donc là, le... A priori, je suis ravitaillé, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais commencer à aller vers la capitale en passant par là. Et l'autre, elle va passer par là pour ouvrir... Pour faire deux fronts. C'est des zones de montagne, donc à mon avis, ça va être tendu. Là, je suis plutôt attaqué ici. Essayer de l'empêcher de... J'ai perdu là? Ah putain. Alors, bon, ça c'est gagné. Putain, j'ai toujours pas de... Faut que j'arrête d'attaquer là, je pense. Toujours pas de ravitaillement. Faut combien de temps pour que ça arrive là? C'est long, hein. 3 mois. Je suis à l'arrêt total, hein. Et je peux pas relier, étant donné que je peux pas passer par là. Là, je peux bouger nulle part, je crois. Ouais. Ah si, je peux bouger là. Bon, je vais essayer de bouger là, mais... Oula, j'ai deux croiseurs lourds et un croiseur léger. Non, deux croiseurs lourds qui ont souffert. Je vais peut-être essayer d'en ramener des remplaçants. Ce serait bête de pas le faire parce que j'ai vraiment beaucoup de choix. Donc je préfère vraiment me battre avec des navires neufs. Non, pas là, là. Là c'est bien. Ah putain, ça n'arrête pas dans cette zone. Là par contre c'est bien parce qu'à chaque fois qu'il essaye de sortir, j'arrive à le chasser. Ouais, là j'aime vraiment pas ce que je vois. Est-ce que je vais réussir à gagner? Honnêtement, ça va se jouer à peu de choses, hein. Alors, 2 petites secondes. Guérilla, donc ça c'est bien, c'est là. Ah, la modernisation a l'air de se finir. J'ai encore coulé un navire, mais ça va finir par me coûter cher, ça. Ouais, je vais rentrer au port un petit peu, attendre les renforts, mais je suis content de ma position, je vais rester là et insister un peu. Ça, je vais l'envoyer à la base. Essayer de voir si je peux pas délester un peu cette zone-là pour voir si je peux pas avancer un peu. Ok, donc là, je vais plutôt attaquer directement, je suis... Et là, ça se passe comment? Je suis à 3, il est à 18. Je devrais gagner, mais ça va être tendu. Hein. Je sais pas. Je sais pas si ce sera suffisant. Donc là, c'est toujours le même problème. On va aller là. Là, on va essayer d'avancer. Là, on est bien à l'arrêt. Ça fait plusieurs fois que je leur donne des ordres, mais... Ah, là, ce pays va tomber. Ok, donc normalement, là, on est en route. On devrait plus avoir trop de problèmes de ravitaillement. Là, je vais m'arrêter ici. En espérant arriver à temps. Quand même que je fasse attention à mes avions. Ils se battent beaucoup, il y en a un à 40 là. Je vais pas pouvoir continuer longtemps à faire ça, je crois.
Je suis à 1,2, donc c'est mort. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, j'ai réussi à conquérir le Bhoutan. Voilà une bonne chose de faite. Ah là, je vais arriver à temps, je crois. Faut que je l'empêche de prendre ce port. Et merde, raté. Ça m'oblige à faire un débarquement. Ce qui en soi est pas très grave. Donc là, c'est bon. Ici, est-ce que j'ai récupéré quelque chose? Non. Alors, ce que je vois, c'est que je vais commencer à perdre de l'organisation. Donc, je pense que j'ai pas trop le choix. Il faut que je m'en aille. Ouais. Je vais fuir. En redéploiement stratégique, si je peux. Merde, ils m'ont attaqué carrément, donc je vais me replier comme ça. Voilà, cette aventure risque de me coûter cher, hein, mais il faut que je tente quelque chose. Je crois que j'étais obligé d'attendre 3 mois pour pouvoir avancer. Ou alors, il faudra que je puisse ravitailler avec mes avions, mais mes avions de transport sont même pas en train d'être produits, donc... c'est pas près d'arriver. Donc ma base aérienne, hein, le 20 mars. Pas avant. Doctrine du délai. Je pense que c'est... Il y a celle-là, et puis... C'est tout. Doctrine du délai améliorée, ok. Je commence à avoir beaucoup de ravitaillement. Je vais favoriser un peu l'industrie pendant quelques temps. Là, je vais faire un peu plus d'officiers. Il me faut quelques sciences. On est en décembre, donc je vais bientôt pouvoir lancer... on va arriver en 41. Je vais tout de suite faire l'éducation. Je vais faire les ressources. Non, les ressources, je suis bien. Je vais plutôt faire machine à calculer. Là, je fais tout en plus. Hein. Ouais, largement. 41, on est dans les numéros impairs, donc ce sera les... Ah, j'ai oublié ça. Ah oui, mais ces bombardiers stratégiques, honnêtement, hein. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais le faire quand même, mais je suis pas sûr et certain que ça me serve, que ça me serve vraiment. Et il faudra que je fasse ça aussi. Ah merde, ça c'est bon. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je mette l'éducation en tête. En 41, année impair, il n'y a pas trop de recherche à faire. Les ressources, honnêtement, on est bien. Peut-être sauf en métal. Ah, ok, là j'ai oublié ça. Là, je suis encore en train de lui courir après. Je vais essayer de l'intercepter. Là, ça va être bon. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, j'ai l'air d'avancer là, un petit peu. Là, faut vraiment que j'aille vers le, plutôt vers la base aérienne. Hein. Ouais, je vais quand même prendre cette province et après c'est parti. Bon, et il a ramené beaucoup de troupes, hein, c'est ça qui m'inquiétait. J'espère que les Italiens vont réussir à les occuper un petit peu. Bon, au moins, ça s'est réglé. Il y a une chose qui a fonctionné. Ouais. Ça fait un poil inquiétant quand même. J'ai peut-être débarqué trop de troupes. Hein. Malheureusement, je ne peux plus les rembarquer a priori. Puisque je peux pas amener de bateau. J'ai plus moyen moi de repartir dans l'autre sens. Non, ça, je vais le mettre en prioritaire. Faut que je puisse avancer, là. Ouais, j'aurais peut-être dû faire le port ici, ça aurait été plus logique. Bon, enfin bon, c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir comme ça. En fait, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire ce port, hein.
Alors là, je vais plutôt remonter. J'ai envoyé celle-là. Ok, là c'est réglé. Il faudrait que je vienne chercher cette unité pour pas qu'elle reste là inutilement. Alors j'ai celui-là ici qui est occupé. C'est celui-là qui fait rien dans l'immédiat. C'est parti. Je vais bientôt arrêter la vidéo, je pense. Bon, là, cette bataille, elle va vraiment pas durer longtemps. Là, je vais passer par là. Là, ça va être bon. Là, il faut que je rentre à la maison. Tiens, voilà. Plutôt aller tous les mettre ici. Parce qu'après, il va y avoir celui-là aussi. Ok. Cette unité-là, faut mieux que je la mette ici même. Ouais, ici. Ah, lui, il veut pas avancer. Hein. Faute de ravitaillement. Faute d'infrastructure, pardon. Ça va être compliqué. Par contre, là, j'ai l'air de... J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Parce que j'arrive enfin à Bombay. Là, il faut que j'y aille en redéploiement stratégique. Sinon, j'y arriverai jamais. Ah, pff, carrément là-haut. Je vérifie que j'ai pas changé. Ouais, je suis toujours sur Fedbury parce que j'ai eu tellement de mauvaises surprises. Il y a tellement de troupes là, c'est impressionnant. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Oui, je vais déplacer comme ça. Je vais en laisser deux pour me défendre. En espérant qu'ils attaquent pas. Ok. Radar petit navire, ça doit être là. Je vais m'arrêter là. Je suis un peu inquiet là parce que je sais pas comment aller jusqu'au canal de Suez. S'il faut que j'attende encore jusqu'au mois de mars, quoi, c'est pas gagné. Hein. Et je vois pas comment faire autrement. Je peux pas ramener plus de troupes que j'en ai déjà amené, ce serait un peu suicidaire. Ah, la bonne nouvelle, c'est que là j'ai regagné un peu de ravitaillement a priori, donc ça va m'aider. Au moins je vais pouvoir maintenir la position. Il y a beaucoup d'anglais. En fait, je savais qu'il y en aurait beaucoup, mais là il y en a un peu plus que je ne le pensais. Bon, on verra, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play.